recette pour un désastre. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas joué aux dames. Hop, hop, et hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais faire beaucoup mieux. Laisse-moi faire. Ha ha!
Là. Mishka, j'ai fini de tout nettoyer et maintenant j'ai faim. Encore ça? Il n'y aurait pas autre chose à manger. Quelle pagaille cette recette! J'aurais mieux fait de rester jouer avec toi! Pas les pâtes! Ça y est, c'est cuit! Les fameuses pâtes sont enfin prêtes à être dégustées! Vas-y, goûte! Burk, elles ont une drôle de tête! Personne ne voudrait les manger, Macha! Tu crois? Eh ben, c'est ce qu'on va voir! À table, tout le monde, servez-vous! Tu vois? Je te l'avais bien dit! Personne ne les mangera! Je connais quelqu'un qui sera ravi de les goûter! C'est Mishka! Il ne les goûtera jamais! Moi, je te parie que si! Non! Je te dis qu'il les goûtera! Avec des poissons dessus. C'est ses coins de pêche préférés. Je suis sûre qu'il est encore parti pêcher. Vite, allons le trouver. Apparemment, c'est un radeau. Il permet de naviguer sur l'eau. Alors partons naviguer! À l'aventure! Non, Macha, c'est dangereux! C'est justement ce qui m'intéresse! Ça suffit maintenant! Les enfants ne doivent pas partir tout seuls sur un radeau! Oh! Hourra! On part à l'aventure! Oh non, on est fichus! D'accord, c'est un désastre. Et on ne sait même pas où on va. Si, moi je sais où on va. Hein? Où ça? On va vers l'avant. Moi je dis qu'il faut revenir en arrière. Non, vers l'avant. Non, en arrière. Non, en avant. En arrière. En avant. Au-delà de l'île boisée, vers la rivière mouvement.
capitaine et ses matelots soulevèrent ensemble les flots de la rivière déchaînée. Coucou Mishka, enfin te voilà. Tiens, goûte mes bonnes pâtes. Manger, mais finalement, il ne reste plus rien du tout. Oh là là. La récolte du miel. Bonjour Mishka, regarde ce qu'on a appris et va le chercher. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Coucou Mishka, je suis là. Est-ce que tu es malade? Non, ta truffe est froide et très humide. Tu n'as pas la grippe, mais tu as l'air tout triste. Non, je ne suis pas d'accord. S'il te plaît, allez, fais-moi un sourire, Mishka. Oh, j'ai compris, c'est parce que tu n'as plus de miel. C'est rien, ça, je vais aller t'en chercher. Toi, tu ne bouges pas de là. Les ours ont besoin de beaucoup de miel. C'est ça qui les rend heureux. Ah,
Pas mes cadeaux, au moins. Si tu oublies, pas de problème. Je te le rappellerai. C'est dans 180 jours. Mishka, n'oublie pas, c'est bientôt mon anniversaire. Tu es réveillée? Je vois que tu n'as pas oublié mon anniversaire. J'ai fait une liste. Ce sont tous les cadeaux que tu vas m'offrir. Mes cadeaux, Mishka! N'oublie pas!
J'essaie de patienter, mais le temps passe doucement. J'attends toute une année, le jour événement. Ce moment rare où l'on vient chanter pour toi ce doux refrain. Joyeux anniversaire, pour mon anniversaire. Ami gâteau, bougie gâteau, c'est mon anniversaire. C'est un moment précieux dont il faut profiter. Un instant merveilleux quand il est partagé. Découvrir ses beaux cadeaux et chanter ensemble à nouveau. Joyeux anniversaire. Tu n'as pas oublié, tu te souviens, hein? Anniversaire. Demain, c'est demain. Le moment le plus beau, c'est maintenant le moment des cadeaux. Mais où ils sont? Comment ont-ils pu oublier mon anniversaire? Ah, j'ai compris. Ils m'attendent tous chez Mishka. Et me voilà. Oublié. Hé, les garçons, vous n'avez pas oublié? Comment ont-ils pu oublier une telle journée? Je n'arrive pas à y croire. Personne ne s'en est souvenu. Oups. Oh non, 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 non. Joyeux anniversaire pour mon anniversaire. Ami gâteau, bougie gâteau, c'est mon anniversaire. C'est un jour si spécial qu'il faut le célébrer. Et quoi de plus normal? Matin dans une forêt de pins. Ah, c'est là où les trois ours ont été peints. Alors tu es un avant-gardiste de la peinture à l'eau? Expressionniste ou impressionniste? Je pars avec toi. Je suis super expressionniste et super impressionniste. Je suis une vraie artiste. J'ai parcouru le monde. Mais tu n'oserais pas. Tu ne sais pas à quel point je suis super forte. Je suis hyper résistante. Je peux le faire. Je l'ai fait. Record de tous les records. J'ai porté des poids très lourds. Plein de fois.
que je ne suis jamais fatiguée. Une fois, j'ai marché tout autour du monde et je suis revenue, et sans m'arrêter. Tu vois ce que j'ai fait? Hop là, hop là, hop là! Parfaitement! Par Léonard de Vinci. Le modèle, c'était moi. Qu'est-ce que c'est drôle. Si t'étais modèle, tu te retrouverais au milieu d'un tableau. Un tableau tout vide. Et voilà. Je suis une source infinie d'inspiration artistique. Je suis une si bonne cuisinière que je peux griller une tranche de cake avec plein de guimauves et de champignons. Et je peux... La reine.
de sa présence. Vous ? Impossible ! Êtes-vous le roi ? Vraiment ? Oh, mince alors ! Ce n'est pas un accueil digne d'un roi ! Il n'est pas convenable qu'un roi arrive sans un comité d'accueil ! Votre magique majesté, je vous prie de repartir, puis de revenir, d'accord ? Conduise à son humble demeure et... Il ne me semble pas très convenable qu'un roi se promène de la sorte. Pas convenable qu'un roi s'abaisse à ramasser des fraises. Ce n'est pas convenable, non, pas du tout. Il n'est pas convenable qu'un roi répare des voitures. Mais enfin, ce n'est pas ce que doivent faire les rois. Convenable qu'un roi salue ainsi un ours. Les rois ne sont pas censés faire la vaisselle, voyons. Et ce n'est pas à eux de ranger le bazar. Écoutez ce que je vous dis. Mais enfin, vous n'y songez pas. Est-ce bien approprié qu'un roi aille à la pêche et risque des piqûres de moustiques? En vacances, moi, roi Lion le Troisième, durant ma royale absence, remets temporairement la couronne à la reine Mariana 101e. C'est moi? Je suis la reine? Oh! Oh, oh! Il faut que je m'occupe vite de mon royaume! Oh! Qu'une reine utilise ses pieds. J'exige une voiture royale. Une voiture royale. À la reine. Oh. À mon palais. Il n'est pas convenable qu'une reine ait une telle maison. Hé, mes gens, il me faut un nouveau palais. Hé,
Eh bien voilà, quand on vous oblige, vous y arrivez. Bien, vous allez me préparer un festin digne d'une reine. Vous pensez aux arbustes, volières et fontaines. Je dois vérifier si tout cela correspond aux standards royaux. Mal. Voilà qui est convenable. Et ceci, j'aime vraiment beaucoup. Du grand art. Ce qui est bon pour la reine est bon pour son peuple. Oh, je suis sublimement majestueuse, si magnifiquement impériale. Nous sommes prêtes pour notre royal repas. Quand j'étais au coin, et en fait, il n'est pas convenable qu'une reine maltraite son peuple ainsi. Le hoquet. Rendez-vous à 6 heures.
laisse. Je vais faire un petit tour. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai quoi? Encyclopédie médicale. Retenir son souffle pendant 5 minutes. Ah. Il faut que je retienne ma respiration? Souffler dans un ballon. Cette fois, ça marche pas non plus. Boire de l'eau dans une position inconfortable. Dans la vie, il paraît, quand on a le hoquet, c'est parce qu'on pense à vous, c'est gentil malgré tout. Qui que tu sois, je t'en prie, ne pense plus à moi. J'en ai marre de couiner comme ça. Mais pourquoi ce truc étrange, d'où vient-il? Et pour s'en débarrasser, pas facile. Je crois qu'il ne veut pas, mais c'est tranquille. Lui faire peur. On a beau m'effrayer, me faire peur, me secouer, m'empêcher de respirer ou boire des lits tranquilles. Rien n'y fait et en plus, maintenant je vois autour les autres couiner à leur tour. Mais pourquoi ce truc étrange, d'où vient-il? Et pour s'en débarrasser, pas facile. Je crois qu'il ne veut pas, mais c'est tranquille. Toi aussi. Tu as le hoquet maintenant. Arrête, Mishka, ça suffit. Respire. Pour moi.
demande de rançon. C'est mon cadeau. Waouh, qu'est-ce que c'est bien ici. On va bien s'amuser. Coucou mes chéris, c'est le docteur, je vais vous ausculter. Une douleur. Attends, ouvre la bouche. Regardons. Lèvres, ok. Dents, ok. Langue, oups. Et un, et deux, et trois, et un. C'était juste du stress. Oh. J'ai une petite idée. L'ambulance arrive. Rançon. Arrête de t'agiter, on se calme. Sinon, il faudra tout recommencer. Reviens tout de suite ici, petit peureux. Reviens ici tout de suite. Mishka, on t'amène ton nouveau médicament. Je vais te soigner. Hé, les loups, vous allez où? C'est l'heure de votre médicament. Mais pourquoi? Pourquoi mes patients s'enfuient? Et toi, Mishka, tu dois te soigner avec du miel.
déguisement. Il me faut un déguisement, vite. Non. Non. Quoi alors? Comment me déguiser? Oh, seul un miracle pourra me sauver. La magie! Utilisons la magie! Oui! Waouh! Je suis la plus belle des fées! Oh! Que font tous les autres? Maintenant, il est temps de s'occuper de toi.
la fête est gâchée. Mais regardez quelle belle récolte nous avons. Oups. Non, je ne dois pas espérer un miracle. Oui. Le jeu du chat et de la souris. Qui a peur des souris et pourquoi? Simplement regarder, on va aussi apprendre. Comme ça, on va pouvoir s'instruire. Vous croyez que les dessins animés sont là uniquement pour rigoler? Ah non, pas du tout. Certains dessins animés sont porteurs d'un message. Alors que d'autres ne parlent de rien. Certains nous apprennent la différence entre le bien et le mal. Dans d'autres, il n'y a que des gags bêtes et des rires stupides. On n'apprend rien. Maintenant, commençons à regarder. Il pleut toujours pendant mes démonstrations pédagogiques. Bon, on va continuer chez Mishka. Je pourrais alors vous expliquer la grande différence entre le bien et le mal. Chasseur de souris professionnel. Thank you.
regarder des dessins animés sur la télé de Mishka. C'est mauvais, vraiment. Regardez, ce n'est pas bon du tout. Et ça, ça n'a absolument aucun sens. Tu vois, je n'ai pas de mots. Oh. Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête,